Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 17 janvier 2022, direction l'hippodrome de Pau pour le prix Auguste de Castelbajac, deuxième course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce gros handicap divisé de première épreuve offrant une allocation totale de 95 000 euros, il ne faudra pas hésiter à élargir ses combinaisons. Pourquoi ? Tout simplement car l'ensemble de nos prétendants au titre peuvent espérer monter sur la plus haute marche du podium. Sur un terrain plus porteur qu'à l'accoutumée, nul doute que le rythme de course sera très important. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Avel de Kerbar. Anne-Sophie Paco l'aime beaucoup et ce cheval de 6 ans, fils de Balco, affiche une régularité assez impressionnante. Piloté par un certain Félix de Gilles, il vise le succès. En deuxième choix, le numéro 4, Gage de Réussite. Il a trouvé son pilote en la personne de Gaëtan Mazur et peut confirmer sa dernière victoire obtenue avec style sur le steeple palois. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Beryl Bay. Impressionnant lors de son avant-dernière tentative où son jockey s'est malheureusement trompé de parcours, il a confirmé ensuite en terminant deuxième. Âgé de 11 ans, il vise une victoire de quintet aujourd'hui. En quatrième position viendra le numéro 12, Captain Speaking. Restant sur deux belles victoires provinciales, il s'essaye au niveau quintet plus avec l'aide de James Rivelay cette fois. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Milanesca. Femelle âgée de 6 ans, fille de Maresca Sorrento, présentée par un certain Gabriel Linders, si elle fait sa meilleure valeur, elle peut même jouer le succès. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 5, Itemisa Est. Jean-Pierre Dérault l'aime beaucoup et Bertrand Lestrade sa sert à merveille. Si elle est décidée, elle peut largement espérer terminer dans les 5. En avant-dernier choix, le numéro 6, Genesis As. Régulier dans l'ensemble et présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet, il aura lui aussi de nombreux fans. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Zeppli. Même s'il aurait assurément préféré un terrain plus lourd, si son entourage l'équipe de Yerplaine pour la première fois de sa carrière, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cas de non partant, le numéro 10, Gaulle, qui enchaîne bien actuellement, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi après-midi, si Turf Sélection indique le tiercé dans le désordre, Top Prono donne lui de son côté le tiercé dans l'ordre pour un rapport de 105,30€. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos nombreuses équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 Minutes Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.